À l'Université de Neuchâtel, le biologiste Ted Terlings est l'un des spécialistes mondiaux de l'écologie chimique. Ce domaine étudie les interactions entre plantes et insectes sous forme d'odeur. Le chercheur néerlandais a reçu le prix Marcel Benoît, la plus importante récompense scientifique suisse, pour ses recherches qui ont ouvert des pistes vers une agriculture plus durable, sans pesticides. Une vocation née très tôt chez lui. Ça commençait avec l'enfance où j'étais déjà très intéressé à la nature, à tout ce qui est plantes, animaux, tout ça. À l'époque, je n'ai pas pensé de travailler avec les insectes, en fait, mais maintenant, c'est ma passion. Une passion qui le mène en Floride au département américain de l'agriculture, dans l'un des groupes les plus renommés au monde. Il y fait une découverte fondamentale en répondant à une question simple. Comment une espèce de guêpe localise-t-elle la plante où elle trouvera la chenille dans laquelle elle doit pondre ses œufs? Pour le savoir, le biologiste utilise un tunnel de vol qui permet d'étudier en détail ce qui se passe dans l'air. À l'une des extrémités est placé un plant de maïs rongé par une chenille. La plante reconnaît la salive du ravageur. Elle se met alors à émettre des composés volatiles qui attirent sur plusieurs mètres la guêpe introduite à l'autre bout du tunnel. L'insecte trouve rapidement la chenille et peut venir y pondre ses œufs, ce qui tue le ravageur et en débarrasse la plante. Autrement dit, le maïs a appelé la guêpe à son secours en lui envoyant des signaux odorifères, des signaux dont Ted Terlings a décrypté la signature chimique. Ces résultats sont publiés en 1990 dans la prestigieuse revue Science, mais suscitent d'abord la controverse. Quand on a publié ça, on était vite critiqué par les autres groupes de recherche qui n'ont pas forcément croyé que ce qu'on a trouvé. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas eu d'habitude. C'était frustrant. Mais après quelques mois, quand on a constaté les raisons avec mes résultats, c'était aussi très, très satisfaisant. C'était une découverte qui a ouvert de portes aussi. Maintenant, on voit dans tout le monde des groupes de recherche qui font leur recherche sur ça. Et aussi, nous, on continue à travailler avec ça. Depuis 30 ans, son groupe ne cesse de détailler les processus biochimiques en jeu. Ici, on est en train d'attraper l'odeur émise par la plante avec des filtres connectés à cette bouteille. Hein. On voit la chenille ici, qui sont en train de commencer de manger sur la plante. Et après quelques heures, la plante émet ce bouquet de substances qui donne cette odeur. Les chercheurs tirent aussi profit de l'amélioration des techniques d'analyse pour développer des applications très concrètes. Avec la technique qu'on a utilisée jusqu'à maintenant, ça prend des heures avant qu'on ait des résultats. Il faut attraper l'odeur pendant 2 heures normalement et après injecter dans l'appareil. Maintenant, on est en train de tester certaines capteurs qui peuvent faire la même chose, mais en temps réel, nous indiquer directement qu'est-ce qui est émis par la plante. L'idée est d'installer des aspirateurs à odeur sur des robots naviguant en plein champ, de quoi alerter les exploitants agricoles de la présence de la chenille et de répandre des pesticides seulement là où ces ravageurs auront été localisés. Une méthode très prometteuse. On peut maintenant déjà dire avec presque 90% de certitude quel insecte est en train de manger sur la plante. Ça, c'est surtout basé sur l'expérience qu'on a fait dans le labo, mais déjà quelques expériences aussi dans notre bâtiment aussi indiquent que ça sera possible dans le champ même. Conscient que cette technologie de pointe ne peut être déployée partout, Ted Terlings a trouvé une autre parade plus simple contre les chenilles. Des minuscules vers qui font le même travail que les guêpes en tuant les ravageurs depuis l'intérieur pour s'y reproduire. Ces nématodes sont incorporés dans un gel qui peut être répandu manuellement sur les plants de maïs infectés. Un test réalisé en plein champ au Rwanda a montré une efficacité d'éradication des chenilles aussi grande qu'avec l'utilisation de pesticides. Notre recherche est clairement focalisée sur trouver des solutions contre les ravageurs sans utiliser de pesticides, basées sur des phénomènes qu'on trouve dans la nature, et pas seulement pour la Suisse, mais vraiment dans le monde entier, où ils ont aussi des autres problèmes comme pas suffisant à manger. Et ça, on veut assurer ça avec des méthodes
qui sont durables sans effet sur la biodiversité. Une démarche que le scientifique de 64 ans souhaite partager aussi largement que possible. Le prix Marcel Benoît va me donner une certaine plateforme que je peux utiliser pour promouvoir ce type de recherche, pas seulement notre recherche, mais aussi dans des autres groupes en Suisse et peut-être aussi ailleurs, pour contribuer à la reconnaissance de cette recherche qui est super importante pour une agriculture durable.